Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, retour sur le cylindre BAB fourni par Mongeau. Après autopsie de ce dernier, j'ai enfin compris d'où provenait le problème et pourquoi je n'arrivais pas à le crocheter en goupille par goupille. Donc ça, tout simplement, hein, parce que les goupilles passives sont chanfreinées et donc ils se comportent comme un TESA TE5. Donc un TESA TE5 avec des bobines, ce qui est très sympa. Donc là j'ai placé la cinquième, la première, mais je suis obligé de revenir dessus pour qu'elle soit totalement en place. Voilà, là maintenant elles sont en place. Donc comme ce sont les deux normales, j'ai mon décalage de rotor, je suis dans une bobine que je place. Alors les autres sont remontés un petit peu, hein, donc c'est pour ça que j'ai plus mon décalage. Mais c'est pas grave, je poursuis le crochetage en fait comme si c'était un TE5, c'est-à-dire que je retouche alternativement toutes les goupilles avec une tension qui est assez haute, hein, comme je fais sur les TE5 maintenant. Et jusqu'à avoir des petits clics et des placements jusqu'à l'ouverture finale. Donc faut prendre son temps. Et en retouchant petit à petit toutes ces goupilles, on va finir par avoir une ouverture qui peut être assez longue. Voilà. Donc je les retouche. Je retouche et ça devrait finir par s'ouvrir. Donc enfoncer les goupilles, il faut enfoncer les goupilles d'un petit poil. Et en relâchant légèrement la tension sur la fin quand même. Voilà, on voit bien que les goupilles se replacent. On fait du rotocar espagnol, pareil. Voilà, ouverture.